Bonsoir. Yop. Bonsoir Rose. Et bonsoir Sylpharion. Et bonsoir Eldaric. Ce soir, nous n'aurons pas la visite d'Agneau Secret, malheureusement. Et nous aurons peut-être, qui sait, la visite de Red, mais pas sûr puisqu'il est en vacances. Ce qui ne nous empêchera pas de nous occuper de son personnage, un tiefelin nécromant. Bonjour Chris, heureux de te voir. Bien. Donc, ce soir, cours de dessin. Enfin, quoique, avec Chris et peut-être même que Jack va venir, donc je doute qu'ils en aient besoin. Mais pour les autres, ça sera toujours ça de gagner. Et puis, après le petit cours de dessin, nous aurons donc une séance de création de perso. Non, mais tu n'es pas en retard, Chris, ne t'en fais pas. Sylpharion donc a besoin de cours de dessin. Eh bien, mes amis, donc juste pour la petite histoire, mais ça, bon, je le rappellerai tout à l'heure certainement, vu que là, je pense que vous le savez déjà. Donc, on va essayer de mettre en place via ces lives un
monde de jeux de rôle. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je vais commencer. Allez, c'est parti. Les arrivants prendront le train en route. En avant sur la caméra 2. Caméra 2. Est-ce que... Ah, voilà. Alizarine, bonjour Dropy. Donc, heureux de vous voir. Heureux de vous voir ce soir. Donc, en matière de dessin, je vais faire un petit rappel. Je sais que je suis embêtant, je suis ennuyant avec tout ça. Je vais mettre un petit... comme un crayon, on va faire comme si c'était une vraie feuille de papier, sauf que c'en est pas une. Donc, petit rappel tout bête, c'est que quand on est vraiment un grand débutant, j'invite les personnes à commencer en dessinant avec des formes géométriques très très simples. Donc au départ, comme je disais, de tenter... Oh, super, c'est bon ça. De tenter de... Ah bah Jack, bonjour. Donc de tenter, comme je disais, de faire... Bah, de tenter, de voir, est-ce que je peux faire un visage? Un petit peu. Est-ce que je peux tenter de faire un visage avec des formes simples, des demi-cercles, des triangles, des choses comme ça? Et puis après, donc voilà, super, voilà. Mais déjà on a un visage. Et puis après, chercher à complexifier de plus en plus. De voir avec différentes formes, et toujours d'essayer, toujours de tenter, toujours de voir ce qui est possible de faire. De voir un petit peu si on peut construire aussi des corps avec des formes très basiques, mais vraiment pas chercher à ce que ça soit beau, élégant, pas chercher à ce que ça soit bon anatomiquement, juste s'amuser de voir, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais des choses un peu comme ça. Et puis varier. Essayer des positions, pourquoi pas, mais toujours avec des formes simples. Et oui, ça c'est bon, j'y arrive maintenant, nous dit Sylpharion, c'est bien. Donc, ça c'est vraiment le béaba, et malheureusement, bah, après, vous pourrez voir 40 000 de 40 000 cours de dessin. Si vous pratiquez pas, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, forme simple au départ. Et puis... Quand on a un peu travaillé toute cette partie-là, et puis il faut pas hésiter à en faire 10 par jour, c'est-à-dire passer 10 minutes par jour, c'est pas énorme. C'est comme quand on apprend une langue, c'est comme quand on fait une activité comme ça sur le très long terme, c'est que, et le dessin est une activité sur le très long terme, c'est qu'il faut partir vraiment sur des choses basiques, mais le faire tous les jours, même si c'est pas grand-chose, même si c'est des petites choses, le faire tous les jours. Bon. Et puis quand on a un petit peu fait tout ça, et ben on peut commencer à essayer de redessiner des choses. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de toujours partir sur des documents, à partir de documents, ou bien vous vous prenez en photo, comme je disais, je ne sais plus, je crois que c'était à Red, je lui disais, n'hésite pas à te regarder dans un miroir quand tu fais un visage, si tu veux donner plus d'expression dans le visage, on va en reparler un petit peu après. Ou alors vous prenez des photos, au début, choisissez des personnages. Dans une posture pas trop difficile. Là, par exemple, j'ai choisi cette blonde peroxydée qui nous vient de pays lointains. Je l'ai choisie pourquoi? Ben d'abord, parce que en fait, elle a des vêtements assez amples. Donc, on peut voir tout de suite des formes très simples se dégager. Je vais faire rapidement, hein, vraiment pour montrer, mais évidemment, c'est juste pour en parler ensemble. Tiens, on va prendre ça. Donc, bah évidemment, ce qu'on voit, c'est tout de suite, hein, on sent des formes géométriques, comme par exemple des formes un peu assez triangulaires, on va dire, à ce niveau-là. Donc oui, comme dit Jack et comme il le précise, hein, sur le chat, oui, prendre vraiment, il faut travailler à partir de choses existantes, enfin
Si vous voulez, enfin, parce que ce cours est un peu orienté dans ça, mais après vous pouvez faire aussi des dessins purement abstraits, c'est pas un problème non plus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce personnage-là, on peut si on simplifie, on voit déjà des formes, des triangles, des choses comme ça se dégager, bah, ce qui est un peu intéressant quand même pour nous. Donc bah voilà, au début donc partir sur des sur comme ça des postures très simples avec des vêtements assez simples à visualiser, c'est de faire un choix. Ah oui, bah évidemment, Chris et Jack, eux, ils vont se dire, mais c'est du non-non, tout ça, c'est qu'on connaît, allez, vas-y, Fred. Bon, alors après, ce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer deux étapes. Deux exercices complètement différents d'apprentissage. Encore une fois, là, on est là juste pour apprendre. Bonjour, ah bah voilà, Red est là. Ouais, Red, super, il est venu. Bah, j'espère, Red, que tu vas pouvoir rester parce que la partie création de personnage, c'est juste après le cours. Et donc, ça sera ton perso. Alors, bah, si tu peux pas rester, tant pis. De toute façon, comme je t'ai dit, tu pourras modifier après sur le Discord. Et je rappelle d'ailleurs, si jamais il y a des gens ici qui ne connaissent pas, que nous avons un Discord où nous créons des personnages. Et donc, voilà. Bah en tout cas, content de te voir, Red. Vraiment super d'être passé. Donc, bon, là pour la petite histoire. Donc voilà, donc à partir de personnages comme ça, je vais essayer de faire en sorte de prendre un. Attendez, je regarde un petit peu. C'est un petit peu trop fin, ça, je pense, pour vous. Donc, je vais faire. Là, ça un petit peu mieux. Bon là, voilà, on va imaginer que j'ai un crayon. Voilà. Bonsoir, The Trollman, qui bah, carrément, lui, s'abonne. Allez, hop, vas-y, roule ma poule. Prends un abonnement direct. Donc, tu as le droit, je ne sais quoi avec l'abonnement. Mais en tout cas, c'est formidable, c'est absolument formidable. Allez, hop, éclate-toi. Merci, Trollman, en tout cas. Et donc voilà. Donc alors, bah, en fait, quand on dessine un personnage comme ça, donc au départ. Pas cher, il faut voir un petit peu la ligne. Là, on a un personnage, on va dire, frontal, donc il va y avoir plus ou moins une symétrie. Donc, comme je disais, le but du jeu ici, ça va être vraiment de partir sur des formes simples. Allez-y légèrement. Allez-y très légèrement au départ, parce que de toute façon il y aura plein de choses à changer. Le but c'est de voir un petit peu comment ce personnage est construit avec des formes simples. Ce sera pas forcément parfait du premier coup. La preuve d'ailleurs, moi-même là je suis sûr que je vais me planter, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc de voir un petit peu ce qui est intéressant, c'est que vraiment cet habit est un peu taillé à la serpe comme ça, donc forcément ça simplifie quand même pas mal de choses. On peut voir un petit peu, même si vous regardez un petit peu les coutures, si vous regardez certains plis, vous allez voir en fait des formes se dégager. Là, je me m'embête pas trop pour l'instant avec les proportions, j'avoue, ça va pas être forcément formidable à ce niveau-là. Enfin, on commence à, si vous regardez un petit peu, vous allez voir donc des formes, voilà. Ah bon, ben ouais, ok, voilà. Et donc, tout le monde s'amuse. En fait, tout le monde s'en fout. Là, je suis en train de travailler et tout le monde s'en branle. Mais c'est quoi ce travail? Et donc, partir sur ça. Et puis, essayer, voilà, essayer de voir ce qui. De voir, voilà, toujours de simplifier. Simplifier au maximum. Regarder un petit peu ce qui se passe. Comment c'est foutu, tout ça. Et puis, en simplifiant, bah, vous allez réussir à avoir des formes qui se dégagent. Donc, par exemple, là, vraiment la robe, enfin la cape, devrais-je dire, pardon. La cape, donc, là, je l'exagère un petit peu. La cape, donc, pareil. Tout ça, enfin, vous voyez l'idée, hein, je blablate là pour meubler. J'ai pas mis de musique punk ce soir, ni quoi que ce soit. Mais voilà, on est vraiment dans la simplification totale. Bon, voilà, on regarde comment. Voilà. Bon, là, on a une partie sombre ici, on ne peut pas voir ce qu'il y a. Au niveau de la main, vous pouvez tenter. Alors, vous pouvez faire juste un rond si vraiment vous ne le sentez pas, mais vous pouvez tenter aussi de commencer à voir un petit peu, peut-être légèrement, comment ça peut foutre une main. Donc, de voir que, bah ouais, tiens, en fait, il y a plusieurs parties qu'on peut simplifier. Donc ouais, c'est bien. Alors évidemment, voilà, les gens ils prennent l'apéro en même temps que je donne mon cours de dessin. Et moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu personne dessiner avec une bouteille de Ricard. Quoique,
Mais donc, quoique, ouais, y a l'auteur de. Je crois que c'est Petit Luc, l'auteur des rats, là, le dessinateur Petit Luc, qui parfois, je sais qu'il dédicace et il verse de la bière et il te fait un tartouille tout ça, puis il te referme l'album, il te le file. Je crois que c'est Petit Luc qui avait tendance à faire ça dans le passé, je sais pas s'il le fait encore. Donc, ok, donc là. Toujours, donc toujours des formes simples, etc. Voir un petit peu au niveau du visage. Alors au niveau du visage, bon là, ça peut être un peu plus compliqué pour vous peut-être, mais enfin pour ceux qui sont débutants. Je parle pas pour ceux qui me regardent en ce moment et qui sont bien meilleurs dessinateurs que moi, je n'en doute point. Donc pour le visage, bah il faut voir si vous pouvez, pareil, si vous pouvez un petit peu dissocier les formes, voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis on va y avoir une guibole, donc pareil la guibole, bah essayez de commencer à voir aussi, pareil, la position du genou, la forme générale du genou, de voir un petit peu, de commencer à voir, en fait en simplifiant, de commencer à voir, bah ouais, un petit peu comment ça vit tout ça en fait. Là pareil, on a une espèce, on va dire, allez, on va dire pour faire simple, on a une espèce de pli ici, qui serait comme un triangle ici, donc oui. Je regarde toujours. Ouais. Ouais, c'est Petit Luc Jack confirme, hein, c'est bien Petit Luc. Ouais. Donc voilà, donc là on a donc pareil, on a un personnage. Enfin, c'est pas très. C'est évidemment c'est très statique, c'est pas. Mais le but, c'est vraiment, encore une fois, le but de cet exercice, et croyez-moi, si vous faites cet exercice avec plein de photos différentes, et puis prenez évidemment un modèle qui vous plaît. On aime le jeu de rôle. Et ce qui est vraiment de super intéressant avec le jeu de rôle, c'est qu'il y a beaucoup de monstres. Et que ces monstres, bah, il y a beaucoup d'archétypes en fait. Et ces monstres, ouais, je vais y arriver, sont en fait ont des éléments très proéminents, ont des éléments dans leur costume, pardon, ou dans leur tronche, mais souvent dans leur costume, des armures, des machins, qui sont très 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 présents. Donc tout de suite, on capte la forme principale, et c'est vraiment l'avantage. Et puis en plus, si vous choisissez des personnages de fantasy, d'heroic fantasy, de jeux de rôle, etc., et si vous aimez ça, ça sera beaucoup plus facile. Prenez évidemment toujours un sujet qui vous plaît. Non, je bafouille pas, moi. C'est parce que voilà, les idées viennent en même temps, l'inspiration vient et... Donc voilà, donc pareil, bon là, même si on fait des erreurs, des choses comme ça, essayez d'éviter d'utiliser la gomme. Je l'utilise à fond. Alors, l'utilisation de la gomme. Bon, quand on apprend, quand on pratique, c'est bien d'éviter d'utiliser la gomme parce que bah, il faut. Bah, là, par exemple, dans ma forme, bah, il y a des tas de trucs que j'aimerais reprendre, il y a des erreurs, mais c'est comme ça. C'est le jeu. J'ai essayé, et ben le fait de pas utiliser ma gomme, ça va m'obliger à avoir comment dire, une discipline au moment de l'apprentissage, une concentration. Comme j'ai dit, ça peut être 10 minutes, 15 minutes par jour, mais concentration quoi. C'est-à-dire vraiment essayer de tracer des formes simples, essayer que ça représente à peu près quelque chose. Et ben il y aura des erreurs, il y aura des traits qui vont trop loin, des machins, des trucs. Ben tant pis, on gomme pas, on laisse. Puis on en fait comme ça plein. Et puis on remplit des carnets comme ça, et puis des carnets, et puis on regarde, et puis un jour, dans un mois, dans 2 mois, si vous en faites encore et encore, vous allez regarder vos tout premiers, vous allez regarder le tout dernier, vous allez dire waouh, mais en fait, au bout d'un mois, je vous jure, au bout d'un mois déjà, si vous en faites 5, 10 par jour, au bout d'un mois, là, fin août, là, avant le septembre, déjà vous allez voir une grosse différence. Vous direz, ah ouais, quand même. Au début, ça va être pas terrible, mais vous en faites pas, ayez confiance. Quand vous avez fait des formes générales, toujours sans gommer, parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour crobarder, de toute façon, après vous pouvez commencer à voir un petit peu dans le détail. Par exemple, l'habit de la damoiselle, le trait ici que je surpasse volontairement pour vous, le trait là n'est pas complètement droit. En fait, il y a une, on pourrait dire une espèce de courbe. Là, j'ai mal fait. Ben voilà, ouais, c'est l'habit, on se court et puis c'est tout. Il y a deux espèces de courbes, donc on va dire plus ou moins symétriques. Et là encore une courbe. Et là, on commence à voir un truc aussi intéressant, c'est le contraste dans le dessin.
entre les courbes et les angles droits. C'est quelque chose aussi qui peut dynamiser quelque chose que moi personnellement j'ai tendance à oublier dans mes propres dessins. Donc vous voyez, là je dis ça comme ça, je fais le professeur, mais très sincèrement, c'est des choses que moi je maîtrise pas forcément à 100% non plus. Mais bon, donc c'est de savoir créer des contrastes de forme entre des angles droits et des choses en courbe. Et ça va dynamiser aussi votre dessin si vous réussissez à faire ça. Bon là, c'est pas grand-chose évidemment, mais bon. On va dire que c'est l'idée qu'il faut retenir. Donc là, pareil. Là, évidemment, on se doute bien que au niveau du buste et de la partie abdominale pour une femme notamment, c'est sûr que. Mais encore une fois, bon, j'ai choisi une posture et un personnage et aussi un costume forcément beaucoup assez strict. Donc bon bah c'est sûr qu'on est. Et puis au fur et à mesure voilà, donc vous faites vos formes et puis au fur et à mesure bah là voilà, ça va commencer à se construire, ça sera pas encore parfait, mais c'est pas grave. Ça va se construire au fur et à mesure. Et puis là, tiens, un demi-cercle, parce qu'il y a une sorte d'attache ici. Et puis il y a une demi-cercle encore ici, parce qu'il y a une deuxième attache, etc. Revois un coup. Et donc toutes ces choses-là. Et puis voilà. Et puis après, quand je regarde dans la partie gauche de ce vêtement ample, je m'aperçois que, bah oui, en fait, on a un triangle ici. On va avoir peut-être un plus ou moins un deuxième triangle ici. Et donc cette partie-là qui repart un petit peu et qui fait ça. Et là, c'est pareil. Mine de rien, avec ces petits trucs de triangle, bah, vous allez, si vous en faites beaucoup, vous allez commencer à comprendre bah, les plis des vêtements. Quelque chose d'extrêmement difficile, les plis des vêtements. C'est comme un peu les mains, c'est une des choses les plus difficiles. Mais justement, encore une fois, au début, on fait simple, des formes simples, et puis au fur et à mesure, bah, on va complexifier, on va complexifier, on va aller dans le détail. Et puis, si vous répétez, 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 répétez ça des centaines de fois, à la fin, vous aurez quelques automatismes. Certes, des automatismes qui peuvent n'être que des erreurs qu'on reproduit tout le temps, mais des automatismes qui pourront vous aider en tout cas à griffonner assez rapidement. Et donc ça, c'est vraiment dans cet apprentissage, c'est vraiment une partie on va dire aussi de recherche de forme, etc. Et puis de voir un petit peu, tiens, c'est encore une fois très simple, cherchez pas à détailler, cherchez pas, vous allez vous arracher les cheveux, vous dites pas, ah merde, là, c'est trop gros, non, c'est pas grave, vous y allez, vous essayez, etc. Puis après, vous pouvez commencer un petit peu à aller dans le détail. Donc, après, vous commencez un peu à voir bah, comment c'est fait un nez, à peu près où c'est situé, sans chercher à lire des livres d'anatomie, des choses comme ça. C'est pareil, c'est en répétant, répétant, répétant que vous allez là je vais pas faire là évidemment l'air d'un mec tout ça sur mon dessin là. Je vais pas chercher à faire à la faire parfaite justement je fais volontairement encore une fois normalement si je dessinais ce personnage là maintenant je ferais pas tout ça mais là le but c'est de vraiment de vous dire bah voilà là le but voilà on fait des formes simples et puis tiens ben n'empêche qu'en faisant la forme simple ben, les lèvres on va commencer à voir comment c'est construit tout ça. Pardon. Et puis voilà, on continue, on continue, on continue comme ça, quoi. Je lis un peu le chat en même temps, hein. Ouais, il faut aller sur le Discord s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore, allez sur le Discord. Et on ne fait pas que du dessin sur le Discord, on crée des personnages de jeux de rôle et plus même, on en reparlait tout à l'heure. Et puis pareil, bah, au niveau des coiffures, c'est jamais évident à le faire, mais là, bon, il y a quelques éléments qui nous aident forcément. Et puis pareil, pour le haut de la tête, bon, on va faire juste un. Alors là, normalement, le front n'est pas aussi grand ni quoi que ce soit, hein, évidemment, il faudrait que je rectifie. Normalement, c'est beaucoup plus petit que ça, mais c'est pas grave, tant pis. Et donc, voilà, et puis vous en faites comme ça, très simple. Après, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, vous pouvez aussi bah, ombrer ce qu'il y a à ombrer. Pas forcément chercher à faire des niveaux de gris tout de suite, mais voir en fait en ombrant ce qu'il y a à ombrer, bah, c'est pareil, au fur et à mesure, ça va vous apprendre aussi à regarder les formes et les contreformes au bout d'un moment.
Et donc là en fait, tiens là il y a même un, hop, on va faire un petit truc comme ça pour la forme. Et donc c'est pareil, en nombrant comme ça, même si c'est pas très élégant, tout ça c'est pas grave, c'est pas grave. On nombre, puis ben n'empêche que mine de rien le cerveau il va apprendre un petit peu, deux trois petites choses à partir de ces ombres-là. Donc pareil, le cerveau va apprendre mine de rien des petites choses. Et donc voilà. Donc voilà. Donc là c'est pareil, il y a une ombre, on voit une légère ombre sous sa gorge, des choses comme ça. Ouais, vous regardez. Voilà. Enfin voilà, en gros. Donc voilà, ça c'est vraiment le béaba, ouais, sous le menton. J'ai dit quoi? Sous la gorge, ou sous le menton, je voulais dire. Et donc c'est vraiment le béaba. Et puis, bon voilà, ça c'est un exercice. Et puis il y a un autre exercice, et toujours pour apprendre, et qui est aussi bien utile. Donc là je vais faire qu'il y ait une passe, et je vais, voilà, et je vais retourner sur mon truc, pardon. Oups, voilà. Je devrais être sur le bon calque, ok. Et puis. Alors, une question, c'est quoi une contreforme, Sylpharion me demande. Bah, en fait, une contreforme, par exemple, là, je vais te dessiner une contreforme. Enfin, je vais te la montrer directement sur le dessin. Donc, une contreforme. Bah, ici, comme je disais tout à l'heure, là, si tu vois mon trait rouge, là, ici, tu as une forme. Ici, on va dire en gros, hein, je fais rapidement. Ici, tu as une deuxième forme. Ici, tu as une autre forme, et puis bah, tu as toute cette masse là. Bah, cette masse noire, en fait, elle est aussi importante, si ce n'est plus importante que les lignes que je viens de tracer. La forme noire que tu as là, c'est bah, ce que j'appelle moi une contreforme. Après, peut-être que c'est pas le bon mot, hein, mais c'est ces formes-là qui vont donner la. Comment dire, qui vont faire que votre dessin est vraiment lisible en fait. C'est cette partie que je viens de colorier en rouge, que j'appelle contreforme, est extrêmement importante en dessin. Moi là, dans cette méthode que je vous ai dite, on a vu beaucoup les formes, mais le but du jeu, c'est quand on part d'une photo, d'un document, je vous conseille une photo. Je vous conseille une photo, de partir sur des photos et pas sur des dessins, parce que si vous partez d'un dessin, le problème c'est que vous allez reproduire plus le style de la personne que vraiment les éléments de construction d'un objet ou d'une personne elle-même. Ouais, Chris, il y a un petit lag. J'espère que tu vas faire en faisant F5, ça devrait aller. La contreforme, c'est pas ce qui donne le relief, non? Bah, la contreforme, c'est ce qui permet de lire la forme principale. Cette contreforme que j'ai fait en rouge, bah, c'est ton œil, le cerveau, je ne sais quoi, c'est ce qui va permettre vraiment de lire. Bah, peut-être que je vais jouer un autre vert, un truc un peu plus. Je fais un truc pétant volontairement. Donc, la contreforme en rouge, c'est ce qui va permettre aussi de lire bah, tout ce qui concerne cette cape, tout ce qui concerne ce bustier, etc. Quand on construit, on imagine toujours qu'on construit un dessin juste avec des lignes, mais en fait, on construit un dessin avec des masses, en fait. Encore une fois, je vous dis de mettre des formes géométriques, mais au fur et à mesure, on va aller vers cette idée de masse. Bonjour Dropy. Ouais. Et donc voilà, bah, j'ai fait ça. Donc voilà, les contreformes, ça, finalement, si on peut simplifier sur cette photo, toutes les parties qui sont dans l'ombre noire comme ça et qui permettent de faire ressortir les formes du vêtement, etc. etc. Je sais pas si j'ai été très clair, mais enfin, de toute façon, ça c'est de la théorie. En pratique, généralement on n'y pense pas, mais bon, voilà, je voulais en parler.
Donc ça, c'était la première chose. Et la seconde chose très intéressante quand on pratique en dessin, donc on a vu l'exercice, bon, alors je dis ça pour les retardataires, on a vu l'exercice, donc un peu comme ça rigide de voir les formes géométriques, la gna, ce qui est très important vraiment, passez par là, prenez le temps, regardez, simplifiez, simplifiez. Vous allez voir, simplifier, et après au fur et à mesure, vous rajoutez les détails, les détails, les détails, les détails. On parlera des masses, etc. Pas aujourd'hui, mais un peu plus tard. Il faut déjà commencer par ces trucs de ligne. Deuxième truc, deuxième exercice que je vous conseille de faire tous les jours, eh ben c'est l'exercice du gribouillis pur et dur. Alors ça, c'est quelqu'un qui est pro. Quelqu'un qui vraiment conseillait de faire ça, c'était un dessinateur qui s'appelait John Buscema, qui est, je sais pas si mon accent est bon, John Buscema, je le prononce à la française, hein, tant pis. Ça doit être John Buscema, je sais pas, Buscema, enfin bref. Donc John Buscema était connu surtout pour ses bandes dessinées de Conan le Barbare dans les années 70, 80 et un peu 90, je pense. Il a été, bon, c'était un très très grand dessinateur de comics, un de mes préférés, peut-être mon préféré. Il a inspiré plein de gens. Je sais qu'Olivier Vatine me disait voilà, que c'était ce genre d'auteur qu'il avait en tête quand il faisait ses dessins, etc. Et donc John Buscema disait que voilà, faut pas hésiter, voilà, John Buscema il faisait ça. Il prenait son stylo, son crayon. Je vais pas faire du John Buscema, je vous dis tout de suite, je vais pas être à la hauteur. Mais il partait comme ça, c'est-à-dire sans lever le crayon, il faisait ça. Attendez, je vais le refaire parce que là c'est mal barré. Donc, sans lever le crayon. De vraiment, de regarder. Évidemment, quand c'est John Buscema qui le fait, c'est autrement plus intéressant et autrement plus fort que ce que je suis en train de faire là. En plus, là, je m'échauffe un petit peu, donc peut-être que tout à l'heure, ça sera un peu mieux. Et donc, sans lever le crayon, de faire le personnage sans lever le crayon, ou presque sans lever le crayon. Et donc, voilà, dessiner comme ça. Donc, dessiner en gribouille. Alors, quel est l'intérêt de ce genre d'exercice? Ben, c'est que l'exercice précédent était un exercice de construction. Celui-là, ça va être un exercice de beaucoup plus vital. Là où vraiment vous allez libérer votre trait, etc. C'est ça. Voilà, c'est du gribouillis. Mais ben, en fait, mine de rien, ce gribouillis, en repassant sur des endroits, etc., pour entre guillemets les rectifier, ou pour leur donner un peu d'épaisseur, ou toutes ces choses-là, ben, n'empêche que vous allez apprendre vraiment à faire des dessins de plus en plus vivants, sans au début passer par l'anatomie, sans au début. Ça paraît couillon, mais je vous le conseille. Gribouille, ouais, c'est quoi, je sais pas, Thébault fait pareil, je sais pas, je connais pas Thébault. Oui, Alizarine me demande si John Buscema il a fait un bouquin de cours de dessin. Ouais, il avait fait un cours de. Le bouquin il est facile à trouver en PDF. Venir en 2 secondes, vous le trouvez. Hein, vous tapez, je sais plus le nom du bouquin, mais enfin bref, John Buscema, Stanley, How to Draw Comics, je crois que c'est un truc aussi con que ça. Hein. PDF, PDF, enfin bref, vous le trouvez, le téléchargez, hein, il est très facile à télécharger, mais vraiment, on n'a même pas besoin d'aller sur des trucs bizarres. Et bah, dedans, dans ce bouquin, il y a un moment où il en parle. Mais alors, le problème du bouquin, c'est que, comme plein d'autres bouquins de dessin, c'est qu'évidemment, quand dans les pages, quand on voit John Buscema faire ses exemples, on se dit, waouh, cool, alors on refait les exemples, et bah oui, on y arrive. Puis quand il s'agit de se lancer à l'eau sans le bouquin, et ben on s'aperçoit que ouais. Alors, mais par contre, dans ce bouquin, il parle justement de ce moment où on peut faire des crobars comme ça, voilà, à la ligne comme ça, très très rapidement. Et je vous jure que c'est vraiment vraiment très bien. Ben, il y a quelqu'un qui, Alizarine, qui, contrairement à moi, aime la loi et aime quand on paye les livres parce qu'elle travaille dans l'industrie du livre. Elle a mis le lien à l'instant du bouquin en question en français en plus, sur la FENC.com. Sauf qu'il est épuisé, bah voilà. Donc, oui, alors vu qu'il est épuisé, bah allez chercher le PDF en anglais qui lui est loin d'être épuisé. Honnêtement, j'en parle comme ça, c'est pas bien de dire télécharger les trucs sans les acheter, mais honnêtement, bon, c'est un bouquin qui date de 70, je sais plus, 76, un truc comme ça. Il est quasiment épuisé, les versions papier coûtent un bras, tout ça.
Bon, allez, et puis bon, John Buscema et Stanley, là où ils sont aujourd'hui, hein, ils vont pas vous faire la gueule, hein, donc n'hésitez pas à le trouver. Je vais continuer avec, bah, évidemment, comme je vous disais, donc on peut faire des, il faut faire des modèles quand même bien. Et donc, bah, par exemple, voilà, par exemple, on peut aussi essayer de dessiner Dalida, car c'est normal. Comment on peut imaginer un live du boot sans Dalida? C'est impossible. C'est impossible. Donc, bah, pareil, si je voulais dessiner Dalida, eh ben, ça serait le même truc. C'est-à-dire que là, bon, là, pour le coup, elle est un petit peu de trois quarts, etc., au niveau du corps. Elle est un petit peu de trois quarts au niveau du corps, mais enfin c'est pareil. En fait, toujours pareil. Bah, là, on a par exemple des épaules un petit peu tombantes. La robe va nous donner des indications pas inintéressantes aussi. La robe elle-même, donc avec son triangle plus ou moins blanc, etc. Une forme qui va aller comme ça. C'est pareil, hein, là, au début, la forme, c'est pas très sensuel ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Alors que Dalida était tellement sensuel. Donc oui, c'est un cours où on apprend à dessiner Dalida. C'est comme ça. C'est comme ça. Reste là, public, car il n'y en aura pas que Dalida. Donc pareil, là encore, et encore là, ça va même un peu trop, entre guillemets, trop loin par rapport à ce que je vous disais, parce que vraiment le but, c'est vraiment de faire des formes simples. Donc là, bon, c'est sûr que c'est la robe qui va nous donner les formes. Après, au niveau des jambes, bah, n'hésitez pas, voilà, vous faites juste plus ou moins des, ou un espèce de triangle, ou juste, bah, vous allez juste avec une sorte de parallélépipède, plus ou moins parallélépipède. Et puis, tant pis si c'est pas exactement les proportions. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça pour l'instant. On est là pour voir un petit peu comment simplifier les dessins. Donc pareil, là on a un morceau de jambe, tout ça qui va être plus ou moins caché. On a tout un tas de froufrous, bah, c'est l'avantage de cette photo, c'est qu'évidemment, il y a des froufrous partout. Donc là, bah, les froufrous à la rigueur, on peut même directement y aller en froufrous, quoi. Évidemment, on va pas faire des formes géométriques pour les froufrous, mais enfin, bon, l'avantage c'est que voilà, les froufrous, ça remplit. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo, merveilleuse photo de Dalida. On a là un. Oups, j'ai un peu pourri. Voilà un espèce de triangle, etc. Bref. Et donc voilà, et puis les froufrous, et puis les froufrous. Après, au niveau pied, bon, moi je vais être honnête, sur la photo, je vois pas trop comment c'est foutu, donc je vais faire un truc un peu à l'œil. Et puis pareil, et puis voir un petit peu au niveau de la gorge, bah, voilà, comment c'est foutu. Voir aussi, et pas hésiter à rajouter des traits même, juste pour voir, juste pour étudier comment c'est foutu. Et donc, quand il y a des formes bien bien noires, bah, ouais, vous faut y aller pour vous aider un petit peu. Et donc voilà. Et puis après, bah, la tête à Dalida, voilà. Je vais pas faire toute la tête, évidemment, je vais faire quelques trucs. La tête, c'est pareil. L'avantage de Dalida, c'est pour ça que c'est bien de dessiner Dalida, c'est qu'elle a quand même un visage un peu taillé à la serpe comme ça. Et pour une femme, c'est assez rare d'avoir ce genre de truc-là, un corps comme ça avec un visage à la serpe comme ça. Très beau visage au demeurant, quoi qu'on ait pu dire d'elle. Et pardon, vraiment, je devrais pas gommer, mais c'est parce que je vous parle en même temps. Et puis donc voilà. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à dessiner du Dalida avec des froufrous si vous voulez aussi. C'était un autre exemple. Et puis bon, après, il faut aller plus loin, évidemment. Le bassin, notamment, le bassin est évidemment plus, certainement plus grand que ça. Bon, voilà. Donc Dalida. Devenir un expert en frofro en 30 jours. Ouais. Bah, je sais pas si vous avez entendu, il y a une moto qui est passée. J'en prends un petit verre d'eau. Voilà, ça c'était un petit exemple avec Dalida. Donc là, on a vu des corps. Bah, je vous dirais bien, ouais, quand on apprend à dessiner, bon, vous pouvez dessiner des tables, des chaises, des choses comme ça, si vous aimez les objets, bon, pourquoi pas, hein. Moi, je préfère dessiner des gens, mais après, c'est chacun son truc, hein. J'ai pas dit que Dalida était grosse, Jack. Tu es arrivé. Jamais je n'oserais dire que Dalida était grosse.
Et puis par exemple, bah, on peut faire aussi des visages. Donc là, j'ai choisi une photo de comédien choisie complètement au hasard. Et donc, bah, c'est un peu ce que je disais à Red quand il disait, mais comment faire des expressions de visage, tout ça. Et donc, bah, voilà, je disais, bah, il faut pas hésiter à exagérer quand on apprend à dessiner. Bah, il faut pas hésiter à exagérer les expressions. Et donc, dans ce cas, bah, soit vous mettez devant un miroir, et puis vous faites une grimace. Soit vous mettez devant votre téléphone et vous prenez une photo quand vous faites la grimace. Soit vous allez sur Internet et vous trouvez donc voilà des visages comme celui-ci. Et alors là, Jack qui dit que ça sent le mauvais comédien qui surjoue. Eh ben moi je n'ai rien dit, c'est Jack qui l'a dit. Moi je n'ai rien. Ah, il y a Rose Pruny qui dit Sébastien. Il y a des gens qui l'ont peut-être connu. Peut-être tout comme quoi. Hein. La célébrité, on ne sait pas d'où ça vient. Allez, donc bah, pour faire un visage, et pareil. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir. Ah ben, décidément, à chaque fois, je me fais avoir. Bravo, Fred. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir. Je vous avais peut-être parlé un petit peu de ce qu'on appelait une ligne de direction. Quand on fait un personnage en train de courir en action ou quoi que ce soit, c'est bien de commencer par dessiner une ligne générale qui va montrer le mouvement. Alors souvent c'est la colonne vertébrale pour un personnage, mais ça peut être la colonne vertébrale qui continue avec une jambe, ça peut être après ça dépend de l'angle, ça peut être des trapèzes de épaules, machin, truc. Ça la ligne principale, bon, souvent c'est la colonne vertébrale pour un humain, mais ça peut être autre chose, ça peut être. Et donc là, bah, pour un visage, c'est pareil. Alors le truc, c'est que on sent. Alors pareil, je vais pas chercher à vous faire le portrait de ce très talentueux comédien, mais de voir un petit peu, bah, de voir un petit peu comment son visage est construit. Et là, ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette image, c'est qu'on a vraiment une exagération des formes au niveau du visage. Et là, ça c'est intéressant. C'était pour un court métrage appelé J'ai mangé sur Lego. Donc la bouche par exemple, ben en fait on aurait tendance peut-être à commencer en faisant un rond. Mais en fait comme vous voyez, si vous regardez un petit peu dans le détail, elle doit être un peu plus grande. Si vous regardez dans le détail, en fait le haut il serait quand même plus apparenté comme ça, une forme un petit peu certes arrondie, mais un poil plus angulaire que le bas qui lui serait plus arrondi. Encore une fois. Cette idée de angle, courbe, de jouer un petit peu avec ces deux choses-là. Au niveau du nez, bon pareil, on va. Là je vais un peu mieux montrer. Au niveau du nez, bah, on va pas chercher à en faire trop. C'est pas le but. Donc bah, alors c'est jamais évident, un nez c'est construit, c'est composé de plein de trucs en fait, hein, mine de rien, ça paraît simple comme ça. Mais là le but, bah, on va essayer de voir, voilà, c'est à peu près, on va dire que c'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment à peu près ça, c'est une espèce de, on va dire, de parallélépipède, là on simplifie au maximum avec un léger triangle en dessous, peut-être. On pourrait dire qu'un nez, c'est peut-être plus ou moins ça. Et après au niveau des yeux, alors ce que je vous conseille au niveau des yeux, c'est de mettre des petites lignes d'abord pour les situer un petit peu dans votre dessin. Et puis bah, après, il y a. Alors qu'est-ce qui va nous aider? Bah, en fait, ce qui va nous aider, ça pourrait être par exemple, bah, ça pourrait être, par exemple les sourcils. Les sourcils, là encore, là, ils sont pas assez. Ils sont pas, non, il faudrait vraiment que ça remonte plus haut. Les sourcils vont nous donner tout de suite, pour le coup, on va dire, entre guillemets, la ligne directrice du regard, etc. Non, je n'ai pas traité Sébastien Mortamed de parallélépipède. Sébastien Mortamed n'est pas un parallélépipède. Et donc voilà. Après pour les yeux, bah pareil, il faut faire simple au début. Donc par exemple, peut-être un espèce de demi-cercle ici et ici. Bon, on sera plus dans, clairement, on sera plus dans l'ovale. Voilà. Hein. Et puis pour le haut de la tête, bah, vous faites simple. Le front est pas très proéminent, vous faites une espèce de courbe comme ça. Vous embêtez pas trop. Et donc voilà, donc là on commence à voir les trucs. Après il y a les cheveux, bah, les cheveux, là on est vraiment dans l'idée d'une courbe. On va pas chercher à faire exactement la coiffure de notre ami, mais bon bref. Voilà, j'ai même c'est même un peu trop limite trop, il y en a trop là déjà dans ma forme. Il faudra vraiment que ça soit même encore plus basique que ce que je viens de faire.
Et puis on a bon les oreilles, on les voit quasiment pas, donc c'est pareil, ça peut être juste des petites formes comme ça, juste de rappel, etc. Et puis bon après pour les dents, bah on peut juste mettre une ligne pour commencer. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça va être la langue aussi qui n'est pas chargée, contrairement à la plupart des langues des gens que nous avons sur ce live et sur le Discord. Oui, je le sais. Oui, des autoportraits, comme dit Alizarine, des autoportraits. Bah oui, il faut pas hésiter à se dessiner. C'est pas grave, on est pour avoir. Bon, donc bon, en gros, on a ça. Après, on peut aller un petit peu plus dans le détail, évidemment. Par exemple, bon là, le menton va être arrondi en bas, ça c'est assez clair. On va avoir par exemple ici, c'est vrai que là ça va faire un peu plus comme ça. Voilà, vous voyez, toujours y aller doucement, y aller en simplifiant. Mais là j'avais un trait, et puis là je commence à me dire, ah bah oui, mais c'est pas exactement un trait droit, il y a comme des courbes, des choses comme ça. Alors bon, on va essayer. Et donc, je vous traite de pochon, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est comme ça, moi, c'est un live, voilà, on dit la vérité, messieurs. Et donc, voilà, ah oui, j'ai oublié les yeux, bon, les yeux, pareil, hein, on fait du cercle, du demi-cercle, hein, il n'y a pas de. C'est pas très difficile non plus. Là, j'ai. Pauvre Sébastien, il va me maudire, il va. Je sais pas, en même temps il verra peut-être pas. Ouais, et puis voilà, donc là c'est pas très ressemblant, je l'avoue, je tiens à le dire. C'est pas vraiment le but que je cherche pour l'instant. Si je voulais faire un portrait ressemblant, j'aurais de toute façon fait autrement pour l'instant. Mais disons que c'est juste pour dire, voilà, on met les trucs en place, machin. Et puis on va un petit peu plus dans le détail après, on regarde un petit peu. Voilà, on essaye de voir un petit peu combien on voit dedans, et quelles sont les formes dedans, et puis au fur et à mesure, on va comme ça, pareil en bas, il y aurait plein dedans, machin, là il y a des trucs, des machins, des bidules. Bon, la langue normalement est beaucoup plus proche, en bas, bref. Bon. Et puis, après, regardez un petit peu les lignes, on va dire, du musculaire, entre guillemets. Un petit peu comment. Puis, voilà, puis voilà. Et puis un petit peu le cou peut-être, quoique. Bon, allez, le cou. Mais bon, le cou, est-ce que ça va vraiment vous donner. Ça va pas être très intéressant. C'est pas vraiment le corps qui nous intéresse ici, ça va être la tronche. Quand vous avez fait vos formes basiques comme ça, vous pouvez continuer. Bah, après, vous pouvez voir un petit peu les formes plus sombres qui. Pour le coup, sont intéressantes. En fait, on dit que c'est Sébastien Mortamet, mais ce n'est pas Sébastien Mortamet. En fait, c'est Daniel Gérard, le chanteur Daniel Gérard. Une photo du chanteur Daniel Gérard, car Sébastien Mortamet est Daniel Gérard. Sébastien Mortamet est un immortel. Nous l'avons déjà dit. Pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Mortamet, c'est un comédien qui joue dans l'actuel play, Role and Play, qui est une petite émission où une bande de copains comédiens joue au jeu de rôle en pleurant. Et donc voilà. Donc, tiens, ça serait plus comme ça. Là, par exemple, on a cette petite forme-là qui serait plus une espèce de triangle avec un arrondi en bas. C'est juste un peu Hitler, mais non. D'abord, évidemment, du moment que tu fous des petites moustaches, forcément, ça va être Hitler. Alors que moi, je pense à, je sais pas, je pense à Laurel et Hardy, Charlie Chaplin. Mais non, évidemment, vous, tout de suite, vous pensez à Hitler, bande de nazis. Enfin, bref. Et donc voilà. Et puis, bon, après, évidemment, je vais pas faire toute la barre. Mais on va dire que l'idée, c'est que avec mon crayon, je vais faire des zones plus sombres sans forcément chercher le réalisme. Le truc, c'est que de voir quoi que remarque, vous pouvez suivre un petit peu les lignes du truc. Ça vous apprendra un petit peu comment c'est à voir les formes, etc. Et puis, au fur et à mesure, toujours pareil, vous commencez à rajouter les petits détails. Et puis, vous allez essayer de
Il y a des de regarder un petit peu, cela c'est un petit peu après, mais regarder un petit peu quelles zones sont plus sombres, quelles zones sont moins sombres, commencer à faire des lignes, pareil, faites vraiment des lignes simples. Ajoutez au fur et à mesure le nez qui est une partie pas évidente, vous en faites pas si vous faites pas un truc parfait au départ. Là par exemple, je pense que le nez est plus comme ça, on a une espèce de. On a une espèce de forme, de courbe là, de forme de forme un peu plus pointue, peut-être, etc. Et puis voilà, et puis rajouter du noir là où il y a là où il y a nécessité d'en avoir, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure, bon, c'est pas très ressemblant, c'est clair, mais bah, au fur et à mesure, vous allez commencer à construire votre truc, quoi. Et puis voilà. Même si Sébastien Mortamer est jeune et fringant, et même s'il est immortel, et ben, il a des petites rides là, mine de rien. Bon, ça. Ok. Et donc voilà. Et donc au fur et à mesure, en rajoutant détail, 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 là, vous allez réussir à peu près, peut-être pas à faire le meilleur portrait du monde, ce qui est pas mon cas en tout cas là tout de suite, mais en tout cas à bah, construire au moins un visage, ce qui est toujours ça de gagner. Et donc voilà quoi. Toujours forme simple, etc. etc. Ça va pour vous? Dites, hein. Voilà, on est presque à quasiment 1 heure déjà de cours, on va pas tarder à passer à la suite. Encore 10 petites minutes peut-être, à 10 heures on va passer à la création du perso. Et puis voilà quoi. Bref, donc voilà, nous avons un crevard. Je t'apprends à dessiner Sébastien Mortamer. Ce serait. Enfin voilà quoi. Ok, bon bah écoutez, puis on va passer à la dernière partie de ce cours. C'était juste pour voir plusieurs exemples, etc. ensemble. Ça va toujours, Chris, super. Ah, oui, c'est un très beau spécimen. Et donc, et bah, le dernier truc, bah, c'est ce que je vous disais, c'est que là, bah, j'ai pris une photo du Seigneur des Anneaux. Hein, j'ai pas été chercher très très loin. Et maintenant, nous allons dessiner Sébastien Mortamer déguisé en Dalida. Non, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, ce que je vous disais, ce qui est intéressant avec le jeu de rôle, l'Heroic Fantasy, c'est qu'on a des monstres avec tout de suite des particularités très très spéciales. J'ai pris un gobelin du Seigneur des Anneaux. Et bon, alors pourquoi il est intéressant? Ben, c'est parce que bon. En fait, bon, on a donc une. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. C'est vraiment Fred. Enfin. Ce qui est intéressant, je vais pas faire tout le dessin, mais c'est juste pour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bon, on a déjà une forme un peu en rond tout en haut. Et puis en bas, par contre, on sent que c'est encore une fois toujours ce truc très anguleux comme ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant déjà. C'est qu'on a comme ça ce rapport entre quelque chose d'assez rond en haut et puis quelque chose qui va être beaucoup plus anguleux en bas. Et puis évidemment, ce qui nous intéresse, nous, ça va être ça. Les oreilles, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt des univers d'Heroic Fantasy, vraiment, vraiment, c'est qu'on a tout de suite des archétypes avec des éléments qu'on reconnaît tout de suite. J'ai mis de la caricature, je crois, pendant. Donc voilà. Et là, ce qui nous intéresse aussi, c'est que non seulement ses oreilles ont une forme très spéciale qui va tout de suite donner le ton. Et c'est pareil, si vous un jour, bah, si plus tard, vous voulez redessiner des. Vous voulez créer votre propre personnage, bah, n'empêche que cette forme d'oreille, ça pourra être intéressant et être utilisé plus tard. Et puis, donc on a le nez. Bah, le nez aussi est très intéressant, puisqu'on a comme ça un nez très anguleux. Là, on voit tout de suite la forme, une espèce de forme en losange, pardon, avec ces deux trous que je vais faire volontairement, très schématiquement ici.
Mais pareil, pareil, si un jour vous dessinez un personnage, vous pourrez peut-être retenir que voilà, y a le nez peut être juste un triangle comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors pareil, ce qui va nous donner. Là, mon portrait va pas être très bon, hein, mais ce qui va nous donner aussi l'expression du visage, c'est encore une fois, c'est la ligne directrice. Oh, j'ai l'impression que mon iPad. Ah voilà, vous voyez plus ce qui se passe sur l'iPad, super. Alors, attendez, je vais essayer de le redémarrer. L'iPad, hein, restez, vous en faites pas. Ah, je vous jure, il fallait que ça arrive. Donc, je retente le coup, je vais même virer d'autres petites choses. Allez. Évidemment, il va m'embêter. Il va m'embêter encore. On va y arriver. Allez, on essaye, est-ce qu'il va réapparaître? Ça doit être bon. Ouais. Ok. Voilà. Excusez-moi, on est de retour. Non, 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 ça marchait plus. Enfin, en tout cas, sur mon écran, ça marchait plus. Et là, ça remarche. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que pour les yeux, toujours pareil, c'est les sourcils qui vont donner l'intention de l'expression plus que les orbites, tout ça même. C'est ça qui est intéressant. C'est la ligne directrice des yeux, souvent, c'est justement à ce niveau-là, pardon. Pour les, après, bon, on a une espèce de demi-cercle, etc. Pareil, mais c'est un truc après, si on veut créer son personnage, c'est un truc qui peut rester. Donc une ligne avec une autre ligne qui montre l'intention des trucs et pourquoi pas justement des demi-cercles pour les yeux. En fait, quand on simplifie une forme à partir d'une photo, après on peut créer son propre personnage. J'ai l'impression qu'il me refait. Non, c'est pas possible. Non, mais il a décidé. Ah, c'est hallucinant. Ça fait deux fois de suite là qui me gèle le truc. Bon, c'est tant pis, hein. Bon, je retente une dernière fois, mais si mon. Ah, si, c'est bon. On dirait qu'il y a. Bon, hop, bon, d'accord. Ok, c'est bon. Bon, ben, désolé, je sais pas ce qu'il me fait, le bidule. Et donc, pardon, et donc, le. Et donc, en apprenant à partir de photos, etc., en apprenant la simplifier, en fait, après, ses propres personnages. Là, je suis vraiment rapide, hein. Je fais vraiment même un peu n'importe quoi. C'est vraiment pour dire, voilà, donc il a des dents, et en simplifiant au maximum, après, si vous créez votre propre personnage, vous pourrez trouver les lignes principales de votre personnage pour le faire vivre comme vous l'entendrez. Je sais pas, par exemple, faire sourire avec les dents qui ressortent peut-être. Enfin bref, je sais pas, enfin faire des trucs. Et encore une fois, bon, non, vraiment là, je crois que l'iPad ne répond plus. Bon, de toute façon, là vraiment, non, je sais pas ce qu'il me fait ce soir, le truc. Enfin bon, voilà, là, la partie cours est de toute façon terminée. J'ai déjà montré pas mal de petites choses. Là, on va passer à la seconde partie. Qui est donc la partie création de fiches de personnages. Et je vais juste vous quitter 10-20 secondes pour redémarrer, pas la machine, mais juste les logiciels, les deux logiciels, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et donc, on se retrouve dans 20 secondes, 30 secondes.